On this night, this silent night. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas mon pull de Noël, mais c'est tout comme, on fait comme s'il était rouge, ok? Puisque ça va être un petit vlogmas, un vlog de Noël qui va pas être cadré visiblement. Je disais donc un petit vlog de Noël. On va faire un tous les jours en décembre, je pense que ça aurait été trop pour vous comme pour moi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas non plus 15 millions de choses à raconter sur la période de Noël. Je trouve que cette période, c'est une période tellement qui mérite d'être vécu, et parfois, surtout quand on est sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, il y a beaucoup de contenu. Moi j'adore, je suis la première fan de ces contenus, tout ce qui est DIY, tout ce qui est recettes, des choses de déco, etc. Et je trouve ça trop cool. C'est vrai que des fois je trouve que c'est un peu overwhelming, que c'est un peu trop, c'est un peu too much, et ça va à l'encontre pour moi de cette période de Noël. J'ai pas réussi encore à arrêter les réseaux pendant un moment pour vraiment profiter de cette période. Je pense que ça sera peut-être le cas quand je serai vraiment avec ma famille. Mais en fait, je trouve qu'on peut vite culpabiliser de ne pas faire les choses maison, surtout bah, quand on est un peu comme moi dans le domaine de l'écologie et tout, de ne pas faire son sapin maison avec des planches en bois écologiques, de ne pas faire toutes les recettes maison, de ne pas faire les cadeaux maison. Il y a beaucoup d'injonctions au final qui partent, j'ai l'impression, d'une bonne intention et tout, mais c'est vrai que parfois ça peut être pesant sur cette période qui est tellement une période qui doit être vécue pour moi dans la simplicité, avec bah, la famille, etc. Vraiment juste beaucoup plus de moments à vivre, que parfois c'est un petit peu dur de voir tout ça, dans le sens où on se dit ouais, moi j'ai pas fait mon calendrier à mon enfant avec une chose à faire avec lui par jour. On a des fois l'impression que c'est un peu la course au perfectionnisme de Noël, sachant qu'après c'est comme tout hein, les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Et c'est aussi le fait que ce soit plein de gens différents, donc par exemple une personne qui fait son calendrier de l'avant, une personne qui fait son sapin, une personne qui... Bref, on a l'impression que tout le monde fait ça chez soi. Forcément c'est des inspirations qu'il faut prendre comme telles, mais des fois c'est un peu too much et ça peut faire culpabiliser. Donc voilà, je sais pas si vous ressentez ça aussi, ou c'est peut-être juste le fait que moi je travaille dans ce milieu-là, donc forcément, bah, j'y suis... Enfin, forcément, non, je pourrais y être moins hein, à scroller sur mon téléphone, mais j'y suis pas mal, et sur cette période-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'infos et beaucoup d'injonctions malgré tout. On n'est vraiment pas obligé de s'y imposer. En tout cas, moi, cette année, j'ai vraiment essayé de ne pas m'en imposer et de faire un peu comme je le sentais, de faire preuve de bon sens pour moi, ma famille et tout. Donc bref, je vais vous partager quand même des petites choses parce que je trouve... Enfin, la période de Noël, c'est une de mes périodes préférées. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Mais en essayant de revenir aux choses un peu plus simples, je bois cette petite tisane, elle est trop bonne. Je l'ai découverte à Biocop, là. C'est les jardins de Gaïa. Et je me suis dit que j'allais tester de la cannelle, gingembre, poivre noir, clou de girofle, cardamome. Et on sent vraiment... Enfin, elle est super... super goûtue. Je sais pas si vous prenez les Yogi Tea. Moi, tous les ans, je prends les Yogi Tea. C'est un petit sachet, en fait. C'est de la marque, Yogi Tea, mais c'est les thés de Noël qui sont des infusions. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre comme ça en vrac. Et puis les Jardins de Gaïa, quand même, c'est une marque valeur sûre. Donc ça, c'est une de mes premières petites choses que je fais tous les ans à Noël, de me prendre une boîte d'infusion, parce que souvent, c'est pas du thé. Souvent, c'est de l'infusion pour me mettre dans l'ambiance, et j'en bois tout l'hiver. Même après, je triche, hein. ça va janvier-février, puisqu'on reste un peu dans l'ambiance. Est-ce que ce sapin restera jusqu'à fin janvier? Peut-être, s'il tient encore le coup. Je sais que l'année dernière, mon sapin, il était complètement en déclin. Et aussi, là, j'ai pris mon repas, mais c'est mon petit dessert, le fameux pain d'épices. Je sais que ma maman le fait maison, qu'il est trop bon. Mais j'ai pris le mien Biocop, et il est moins bon que celui de ma maman. C'est ouf. Il est un peu sec, alors que celui de ma maman, il était super, super moelleux, il m'a duré trop longtemps. Mais bon, j'adore quand même le pain d'épices, et pareil, ça va avec la vibe des infusions de Noël et tout. Ça, c'est mon premier petit truc, la bouffe, les infusions et tout. D'avoir toujours des petits chocolats à la maison, d'avoir du panettone, du pain d'épices. J'en prends un seul, enfin, je me fais des petites courses de Noël, ça me fait le mois, parce que le panettone à 15€ et le pain d'épices, je crois que c'est pareil. Forcément, ça fait un petit peu chéros les courses de Noël, mais du coup, voilà, c'est mon petit plaisir du mois avec les chocolats, l'infusion et tout. Et c'est des petites choses simples, mais qui en fait me mettent dans le mood de Noël, parce que je le fais tous les ans, donc j'associe ça forcément à cette période. Et en plus, sur mon chai de Noël, il y a l'indication pour faire chauffer
l'eau pendant 15 minutes, donc il faut faire infuser pendant 15 minutes, ce qui est beaucoup, à 95 degrés. Si vous avez vu ma vidéo idée de cadeau de Noël, vous savez que j'ai découvert récemment le concept de bouillotte qui est programmable en gros à une certaine température. Sur vos boîtes de thé, normalement c'est indiqué à quelle température il faut faire infuser. Et comme je n'ai plus de bouilloire, ça sera très certainement mon cadeau de Noël, puisque j'ai demandé ça à ma sœur et elle est en train d'essayer de la trouver de seconde main. Et le cadeau de mes parents, ça sera un roman de vie. En gros, on a décidé de louer un chalet juste quelques jours après Noël avec les enfants et tout, donc c'est un truc qu'on veut faire depuis des années dans notre famille mais qu'on n'a jamais fait, et on va louer un chalet tous ensemble, et en gros ça sera ça le cadeau de Noël de mes parents à ma sœur et moi. C'est offrir des moments et c'est ce que je préfère, donc je suis trop contente de mes petits cadeaux de Noël de cette année, et j'ai quasi fini les miens aussi. J'avoue qu'on est le 13 décembre et je crois que j'ai fini les miens. Alors après, d'offrir des cadeaux d'expérience etc, ça aide, parce que souvent vous avez juste à faire le bon et la personne choisira, vous paierez plus tard. Bref, par exemple ma sœur, je lui prends un atelier de portage avec une monitrice de portage qu'on a dans la région, donc elle choisira l'atelier qu'elle voudra spécifiquement, d'une heure, deux heures, ou de l'accompagnement dont elle a besoin, et du coup je lui offrirai ça. Pour mon papa, il veut un vélo électrique, donc pareil, on s'est tous cotisés. Ma maman, elle veut une Monstera, donc je pense qu'on va aller lui prendre avec ma sœur et peut-être lui prendre autre chose. Et du coup j'avais aussi un Secret Santa avec mes meilleurs amis. Mon ami m'a offert un spectacle, donc pareil, je vous l'avais mis dans la liste des cadeaux que j'aime trop. Et pour l'ami sur qui moi je suis tombée, je lui ai offert une fondue, parce que je sais qu'elle en voulait une fondue que j'ai trouvée sur le Bon Coin en fonte, donc c'est vraiment une fondue de qualidad qui durera dans le temps. Finalement le plus dur, je crois, c'est les achats pour Alma, parce que là elle a 3 ans cette année, et du coup c'est vraiment l'année où elle comprend le principe des cadeaux etc, et j'ai envie de lui faire plein de petites choses. En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours eu plein de petits cadeaux à ouvrir. Et c'était plus la découverte aussi d'ouvrir plein de choses et de voir plein de choses sous le sapin que les cadeaux en eux-mêmes qui étaient chers ou quoi que ce soit. Donc j'ai envie de lui faire aussi ce genre de petites choses avec plusieurs cadeaux. Franchement, je pense que l'année prochaine, je m'y prendrai encore plus en amont pour essayer de prendre des petites choses tout au long de l'année et de les mettre de côté. Mais par exemple, des petites choses récupérées sur Give, des choses récupérées sur Le Bon Coin qui sont pas chères et tout, mettre des petites alertes toute l'année. Donc, je vais vous montrer une partie de ces cadeaux. Alors déjà, ma maman avait des chèques culture, ce qui m'a permis d'acheter des choses neuves que je ne trouvais pas d'occasion pour elle, comme par exemple ce jeu. Donc c'est Gagne ta maman, gagne ta... ce qui existe en Gagne ton papa, mais du coup j'ai pris en Gagne ta maman et j'ai galéré à le trouver. De seconde main, je trouvais pas, même dans certains magasins je trouvais pas. Au final je me retrouve à l'avoir eu en double, parce que je suis allée d'abord chez Jouet Club, qui je pensais prenait chez Culture. Ils m'ont dit non, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je l'achète quand même, parce que je ne pensais pas trouver un autre magasin où qui prendrait chez Culture. Suite à ça, j'ai trouvé ma librairie de quartier qui prenait chez Culture, où il y avait ce jeu là, donc j'ai finalement repris. Donc bref, je l'ai revendu sur Le Bon Coin à la période des fêtes, c'était sûr qu'il allait partir assez facilement. Donc là faut que je fasse le petit colis pour qu'il parte rejoindre sa nouvelle maison et son nouveau sapin. Je lui ai pris aussi, vous savez, les petites figurines Slench, je sais pas comment ça se dit, parce que c'était pour compléter la fin du chèque culture. Donc je lui ai pris un petit éléphant qu'on avait déjà vu dans cette librairie et qu'elle voulait. Et ensuite à Cultura, j'ai pris les Stabilo Woody 3 en 1, puisque vous savez, je lui ai pris le tableau Fairflex, donc ça que j'ai trouvé sur Vinted, je vais aller le chercher d'ailleurs juste après. Donc même si vous n'avez pas de tableau pour écrire à la craie ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire, voilà, sur les fenêtres, comme ce petit garçon est en train de faire, écrire un peu partout. Et en fait c'est des crayons qui sont très 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 gras, elle en a aussi à l'école, où on peut rajouter de l'eau pour faire de l'aquarelle, des crayons qui s'enlèvent à l'eau, qui se nettoient à l'eau. Je ne le trouvais pas de seconde main et il y en avait dans mon Cultura, donc j'ai pris cela, et encore il n'y avait plus que les coloris pastel. Et toujours pour compléter, je lui ai pris des petits sticks phosphorescents qu'elle pourra mettre dans sa chambre, parce que il me restait encore un peu de sous-sous avec le chèque culture quand j'ai pris ceci. Voilà pour l'instant où j'en suis. Donc pour Alma, il me reste encore la pâte à mode, pâte à modeler qui ne durcit pas, et aussi des petites figurines du dino train. En ce moment elle est à fond dans les dinosaures et elle regarde aussi ce dessin animé là depuis quelques temps. Donc je lui ai pris un petit circuit pareil que j'ai trouvé de seconde main avec des dinosaures en plus, ça m'a coûté 20 euros avec les frais de port. Je vais peut-être lui rajouter ça aussi, j'avais pris ça à Action, des petits stickers de dinosaures. Action, si jamais vous avez vraiment un budget serré pour tout ce qui est papeterie et tout, ça dépanne quoi. Moi j'essaie d'éviter d'y aller parce qu'il y a tellement de choses des fois et on ressort avec plein de choses dont on n'avait pas besoin. Mais c'est vrai que la dernière fois je me suis focus quand on prenait le train avec Alma, lui prendre des choses pour l'occuper. Et d'ailleurs je vais vous donner une autre idée, je lui avais pris ça, c'est un petit dinosaure à construire en puzzle 3D.
Je crois que ça m'a coûté 50 centimes, un truc comme ça. Et c'était vraiment chouette, on l'a fait toutes les deux. Et du coup, là maintenant, bah, ça lui fait un petit jouet en plus. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et je lui avais pris aussi, vous savez, pour le train, des petits livres comme ça à la découverte. Donc il y en a à la découverte des chiffres, des lettres, au contraire, etc. Et du coup, c'est vraiment pas mal parce qu'il y a plein de petits jeux à faire. Donc là, c'est pour apprendre à compter typiquement, mais ça peut être des petits cadeaux en plus. Bon, ça fait très cahier de vacances hein, en vrai, mais elle adore parce qu'elle voit ça comme des activités qu'on fait ensemble et pour elle, c'est pas du tout de l'école ou quoi. Donc ça peut toujours être des petites choses en plus à rajouter sous le sapin. Donc, du coup, je vais faire mon colis pour renvoyer ce jeu-là. Et ensuite, je vais aller le déposer en point relais et chercher en même temps le colis du tableau magnétique. Take my hand and hold it tight. We'll pray for peace on this Christmas night. Oh my love, oh my love, oh my love, oh my love. We'll be together. Alors, donc il est comme neuf du coup, tableau. À positionner, donc il est tout enroulé, il est là avec des petits stickers géométriques un peu et les stickers lettres en plus, donc ça c'est cool. Après, je pourrais lui prendre les chiffres aussi, peut-être. C'est chouette parce que ça a l'air vraiment d'être de la qualité, c'est quand même pas mal lourd et apparemment ça tient quand même facilement à la pose, donc on verra ça. C'est la petite maison que je lui ai pris parce que je trouvais que la fusée c'était trop kiki, mais en fait la maison c'était quand même là où on avait le plus d'espace pour pouvoir écrire, pouvoir dessiner et tout sans que ça soit quand même trop gros, donc je pense que ça sera parfait ici. Surtout que l'idée ça serait que ça soit dans sa chambre ici en fait, pour remplacer justement ce tableau là que je vais donner à ma nièce qu'elle utilise beaucoup moins qu'avant, et c'est quand même pour les plus petits, mais elle a décoré avec des petites guirlandes de Noël tout en violet sa chambre. Mais en gros voilà, ça viendrait remplacer ici cet espace pour qu'elle puisse dessiner et même écrire avec les lettres magnétiques, etc. Un beau bazar cette petite chambre. Ah, ça aussi c'est une petite DIY à faire. Bon, après c'est pour Noël, je pense que vous pouvez faire un sapin si vous faites un assez gros livre comme ça, hop, et qu'après on peut le décorer en sapin. Nous on avait fait un petit hérisson avec un livre. C'est super simple à faire si vous avez des livres que vous utilisez plus. C'est rigolo parce que j'étais en train de partager justement sur les réseaux les cadeaux d'Alma que j'avais déjà reçus, que j'essayais de faire de seconde main et tout, pour vous donner des petites idées. J'ai partagé aussi mes vidéos parce que j'ai une vidéo playlist où j'ai fait des idées cadeaux de Noël pour les enfants de 1 an, de 2 ans, de 3 ans et du coup cette année de 4 ans. Et il y a une d'entre vous sur Insta qui m'a dit qu'elle venait de regarder la vidéo idée cadeau 3 ans et qu'il y avait des super livres à l'intérieur, etc. sur la confiance en soi. Et moi j'avoue que bah, ça fait un an que j'ai sorti cette vidéo, donc je m'en rappelais plus exactement de quel livre c'était. Et j'ai été voir et je me suis dit, il faut absolument que je les prenne à la médiathèque. En fait, je peux réserver directement en ligne sur le site de ma médiathèque et tout. Et j'ai été voir et il y a le livre Tuer le jardinier de mon cœur, et ça m'a donné envie de regarder si j'avais pas d'autres petites sélections. Donc j'ai été sur le compte de Asma Gomet Club, où elle a une story à la une livre, et j'ai chopé toutes ses idées de livres, donc merci à elle. Je me suis refait une petite liste en cherchant directement sur le site de la médiathèque et en réservant, donc c'est super pratique. C'est aussi ça les réseaux sociaux, c'est pour ça que je trouve ça trop bien dans un sens, parce que une petite phrase comme ça me dit, ah bah tiens, moi aussi je vais regarder dans ma médiathèque, et je vais chercher des infos sur d'autres Insta de personnes qui, je sais, ont les mêmes goûts que moi dans les livres, et c'est des échanges comme ça, des partages. Moi, ça m'apporte énormément aussi dans mon quotidien, et ça me facilite des fois beaucoup la vie. Donc là, j'ai fait une petite sélection. Donc il y a Tuer le jardinier de ton cœur, Le corps humain, Temps de chaud, Sommeil d'hiver, un livre animé sur les animaux sur l'hiver aussi, et Le livre rouge de l'hiver. Donc n'hésitez pas, si vous avez une médiathèque, vous pouvez regarder directement en ligne, taper des mots-clés, avoir déjà les références des livres et tout. Franchement, ça facilite la vie, et comme ça vous réservez tout en amont et ils vous ont déjà préparé votre réservation normalement quand vous arrivez, donc c'est vraiment super pratique. Sans transition, je voulais vous emmener dans ma cuisine pour tester une petite recette de produits ménagers. Regardez-moi toutes ces jolies choses qu'il y a. On voudrait pas, ni moi ni ma cuisine sommes prêtes. J'ai vraiment fait un vlog comme ça brut de pommes, nature peinture. Ma cuisine est dans le même état que moi, donc il y a un peu tout qui est sorti. Ça, c'est des petits gâteaux que ma maman m'a fait et elle me met ça dans des petites boîtes à emporter. Ça, c'est des petits chocolats chez la marque Alex et Olivier qu'on a pris avec l'école. Donc il y a ceux-là,
Il y en avait d'autres, mais j'ai tout mangé. C'est les chocolats du cœur. C'était via l'association de l'école d'Alma, du coup. Ça, c'est les petites choses de mon calendrier de l'Avent. Encore des chocolats pour Alma. Mon panettone. Et ça, c'est le pain d'épices. Donc vraiment, là, je crois que ça va. Pour Noël, on est bien. On a tout ce qu'il faut pour cette petite période. Mais voilà l'état de ma plaque de cuisson. Comme d'hab, je fais des œufs à chaque fois. J'ai l'impression que ça coule un peu sur le côté et ça fait ce genre de choses. Et ça fait même des auréoles en fait qui restent un peu dans le temps. Donc j'ai vu sur Insta le compte d'Ophélie Minimal au quotidien qui a partagé une pierre même d'argile maison ou une crème à récurer maison, je sais pas trop quoi, donc je vais essayer de la faire pour tester ce petit résultat quoi, parce que là j'en ai marre d'avoir des traces de qui se nettoient pas en fait au vinaigre blanc quoi. Regardez-moi ce petit résultat. Donc là, on est un jour après, on est le lendemain. Donc franchement, c'est vraiment pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal, ça part bien, mais il y a encore des petites traces, j'ai l'impression. Bon, le rendu est plutôt bien quand même avec des produits naturels. J'ai rajouté un petit peu de bicarbonate aussi là pour désincruster et bien enlever. Et le lendemain, c'est vraiment dur en fait, le mélange. Donc ça m'en a fait pour deux petits pots comme ça. Donc je vais m'en servir un petit peu partout pour nettoyer la maison. C'est super simple à faire. Et c'est forcément naturel et sans produits chimiques. Je vais vous faire un petit unboxing des choses que j'ai été chercher de seconde main. Une petite combi de ski que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour Alma pour 10 euros. Donc nickel, elle est imperméable, bien chaude. S'il neige, elle va pouvoir se rouler dedans, donc ça va être parfait. Je crois qu'on est sur une belle quantité de dinosaures. Par contre, il va falloir que je nettoie parce que les jouets sont vraiment pas propres. This is la seconde main aussi, mais bon, avec une petite brosse à dents, je vais les nettoyer et ça sera comme neuf. Donc du coup, c'est les petits personnages du dino train et il y a plein aussi d'autres dinosaures avec mon petit pipouette. Et donc ça, c'est pour... Waouh, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. Non, peut-être pas. Pour ma petite nièce, elle ou qui, il est mignon, ce petit pipouette, donc c'est pipouette. Le fameux, le seul et l'unique, avec différents visages pour pouvoir lui changer de tête selon ses émotions. Et celui-là, j'ai trouvé sur Vinted, il me semble. De seconde main également, et il est comme neuf. On voit un peu plus que celui-là a vécu. Il a des petites oreilles toutes fines, alors que là, les oreilles, j'ai l'impression qu'elles sont... Ils les ont un petit peu améliorés, j'ai l'impression. Mais ils sont kiki. J'adore. Voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut-être donné des idées de cadeaux de Noël et envie surtout d'acheter de seconde main. Je voulais vous faire un récap des petites activités qu'on a fait avec Alma, mais vraiment, c'est des choses tellement simples. Typiquement, on a fait de la patate modelée autodurcissante pour faire des petites décos dans le sapin, des petites décos aussi en gnome avec de la feutrine. On fait beaucoup de peinture, de dessin, des choses vraiment simple qui demande très très peu de matériel. Et encore une fois, sachez que Noël, c'est vraiment profiter de l'instant, aller se promener, faire les marchés de Noël, comme dirait ma fille, mettre de la musique de Noël, faire le sapin, aller voir les illuminations. Donc vraiment des choses simples qui nécessitent pas forcément énormément d'achats, et c'est souvent ce dont les enfants se rappellent le plus. J'espère en tout cas que vous passerez de belles fêtes de fin d'année. J'ai quelques petites vidéos que je vais poster encore pour cette fin d'année, mais ça sera plus axé sur le désencombrement, le minimalisme, etc. Donc si je n'ai pas l'occasion de vous redire d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Ciao !